Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its continuing mission: to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Salut tout le monde, c'est Tintin, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve, non pas pour une vidéo de la collection officielle de vaisseaux Star Trek, mais pour la collection officielle de vaisseaux de Star Trek Discovery. Et nous, aujourd'hui, on se retrouve pour l'USS Buran NCC 1422. 1422. Donc voilà, très très grosse maquette en apparence, et très très belle, hein, avec le design particulier des 4 nacelles. Comme ensemble de X. Et la structure. Alors, pardon, excusez-moi. Le magazine. Nous allons commencer par le magazine, comme d'habitude. Maquette, ça vient après. Donc voilà. Donc le petit magazine, issue 7. USS Buran. Magnifique. Classe Cardena, lancé au 23e siècle, long de 441 mètres. Donc c'est la taille classique des vaisseaux de cette par le milieu, voilà, très particulier avec la passerelle à l'avant, ça c'est peu commun, avec 4 nacelles identiques, classe Cardena, Fédération, 3e siècle, 451 mètres, ici le déflecteur principal, juste, passé juste en dessous de la passerelle, ici donc les deux hangars à navettes, je suppose, et ici un collecteur Bussard. Enfin, 3 coquetables plus ça. Qui sont d'ailleurs normalement rouges. Mais bon. Canon de classe, oise. Non, des beaux. Ah ouais, quoi de nacelles. 4 nacelles. Voilà, donc différents plans du bureau de la classe Cardena. Donc on en a vu un, donc durant la bataille au stade binaire. C'était l'un des vaisseaux qui ont participé à la bataille. Il me semble que le Jaeger... Attendez. Le Jaeger, il me semble qu'il était de cette classe-là. Et donc le Buran. Le Buran a été détruit lors d'une embuscade des Klingons. Un mois après le début de la guerre, l'Orca était à bord et il a réussi à s'échapper. D'ailleurs, je vous conseille d'aller sur Star Trek Online, d'aller faire la mission Message in Bottle ou... Alors je ne sais plus l'épisode, mais allez voir dans la section Discovery et vous verrez l'épisode avec l'Orca. C'est génial, on comprend parfaitement. Donc voilà, différents plans. Donc de dessus, donc on voit avec un retranchement ici, différenciation de la passerelle, hop, comme ça. Et donc là, des nacelles, des supports de nacelles classiques de cette forme-là, et avec des nacelles de l'air qui sont légèrement décalées l'une de l'autre. Donc ici la forme en X, pardon. Et avec une peinture assez particulière avec ses rubans noirs, très particuliers. Très atypique je trouve même pour l'époque. À créer le Buran. Un design très très très, très proche. Donc c'est John Hills, encore une fois. C'est John Hives. Alors je tiens à rectifier une chose, John Hives n'est pas celui qui a créé le nouvel Enterprise. John Hives est un designer depuis très longtemps pour Star Trek, qui a fait beaucoup de vaisseaux. D'ailleurs, l'un des designs qu'il a proposé pour le NX-01, pour l'Enterprise NX-01, est celui qui va servir de base pour celui de Discovery. Je ne sais pas si vous le saviez. Donc voilà, ça c'est pensé d'abord. Donc on voit que le déflecteur était la même idée, est resté. Sauf qu'ils aient pensé à faire quelque chose du coup comme le Diaplana, avec des nacelles directement accrochées à soucoupe, ou la classe Saber, c'est la même chose. Voilà, un dessin
voilà, qu'ils appelaient USS Stewart de classe Hitchcock. Très très semblable. Avec pareil, mais moins précis. Donc ici d'autres. Là, la forme de profil, on dirait l'USS Europa, la USS Hayes, Fullerton Class. Voilà, très particulier. Avec des nacelles qui ressemblent à celles du Shenzhou. Et une configuration un peu comme le Constellation, mais en plus épais. Alors voilà, c'est ce modèle 3D. Donc là, on voit que ici c'est moins bossu. Et là, il n'y a pas de bosse en dessous. C'est plus fin. Donc là, c'est avec la peinture classique. Différentes stries, là, différents niveaux. Ah oui, ça c'est pour un prototype. Oui, ils avaient pensé que ça pourrait être un patron de couleur pour un vaisseau expérimental, en fait. En soi, ce qui est une bonne idée, je trouve. Après, je sais pas si c'est le cas. Ah oui, ça c'est l'USS Buran Miroir de l'univers Miroir. Donc on a eu un double. Non, pas, on n'a pas eu qu'un double épisode, on a eu plein d'épisodes sur l'univers Miroir dans Discovery. Et donc on apprend que dans l'univers Miroir, en fait, le Buran tentait une rébellion contre l'Empire Terrien, dirigée par l'empereur Philippa Giorgio. Donc, il était pourchassé par le vaisseau amiral de la flotte. Et il a été détruit, tandis que Lorca tentait une téléportation. Et en fait, un orage nuonique a dérivé le faisceau de téléportation vers l'autre univers, l'univers miroir. Et a remplacé le Lorca du Buran du coup, en théorie, le Lorca du Buran originel est décédé, et c'est l'orca miroir qui a pris sa place. Voilà, donc c'est en l'honneur de. Voilà, en l'honneur de ça. Donc Chuck Yeager et Robert Cardena. Donc le Yeager était un vaisseau. Une classe, un vaisseau, et Cardena la classe du vaisseau. Et donc ici, le prochain, c'est Coug Class. Très particulier. Et là, donc, on a Bortas. Ah, non, je suis pas sûr, je suis pas sûr. Je sais plus. La navette d'entretien. Je ne sais plus. Voilà. L'Edison de classe Hoover. Et le navire Fendant. C'est comme ça que ça traduit. Et donc une vue de dessus. Voilà, donc passons maintenant à la maquette. Et donc nous revoilà avec la maquette de l'USS Buran. Attention. Et le voilà. Le voilà. Support. Ils ont renforcé le plastique, il semblerait. USS Buran. Pas de registre, d'accord. Le support. Un support. Wow. Très épais et très large. En même temps pour un vaisseau comme ça. Alors le vaisseau est pris par le milieu, mais sur le support il est à l'arrière. Donc déjà ça montre la taille impressionnante du vaisseau. Et donc le voilà. Au revoir la boîte. Et donc voici l'USS Buran. Merci la boîte. De classe Cardena. Alors déjà, première impression, c'est un énorme vaisseau. C'est une gigantesque maquette. Ah oui, un très gros vaisseau. Donc, intéressons-nous maintenant au design classique. Alors, plastique ou métal? Ça, c'est métal. Ça aussi. D'accord, la coque secondaire et la coque primaire. Ah oui, alors la partie supérieure de la coque secondaire et la coque primaire, c'est du métal. Et là, par contre, c'est en dessous, c'est du plastique, comme d'habitude. Et ça aussi, tout le reste du plastique. Alors, les nacelles.
Donc on a des Corridors Bussard 3 qui sont des pièces peintes qui sont bleues. Normalement ils devraient être rouges. Ah c'est pareil. Ensuite on a... Donc on a le une air peinture d'Air Classic Discovery très estompée. Voilà, c'est un design similaire. Ici c'est légèrement différent, c'est il n'y a pas le c'est pas la même chose. Bizarre. Donc les supports incorrectement. Alors les fameux ailerons. Alors pour une question, où est l'impulsion? Parce que est-ce que les hangars c'est ça ou c'est ça? Je pense que ça, c'est plutôt l'impulsion. Je ne sais pas. Parce que du coup ça cette partie là n'est pas très détaillée à l'arrière. Oh pardon. Désolé. Heureusement. Donc ensuite. Sinon la forme est respectée correctement. Il n'y a pas de nacelles qui soient désorientées, détachées. Non. Donc ici il y a le déflecteur. Donc on s'est peint correctement avec les deux tiges de la Discovery. Alors ici, voilà. On a les fenêtres. C'est pas très détaillé, mais au moins on a les fenêtres de la passerelle. Avec ici le nom. Je sais pas si vous voyez. Voilà, USS Buran. Quant au petit, mais rassurez-vous, c'est écrit aussi sur les côtés. USS Buran, CC1422. Voilà. Alors oui, on a les phaseurs, ici les petits points noirs. Ici, là, là. Alors là, on a une configuration de coque assez particulière. On a d'abord un premier angle et ensuite un affaissement. Et après un second angle. Et là, on a une discontinuité avec deux lignes qui partent comme ça. Pardon. Et qui montre après à l'avant une forme particulière. Là, ici. Les couleurs classiques. Noir, gris, gris clair. Alors, ensuite, dessous. Voilà, c'est à peu près la même chose. Ici, sauf que là, on a une continuité. On a les fameux petits triangles, ici. Le registre, qui par contre, est là... Ah, c'est bizarre. Là, en fait, il écrit... sur le topaz assez original, il écrit là à l'endroit... non, là à l'endroit, là à l'envers. Et là, ils sont tous les deux à l'envers, en fait. Bizarre. Les ailerons inférieurs. Buran. Et voilà, sinon c'est correct. Sinon c'est un bon modèle dans... Ah oui, attendez, j'ai pas fini. Ah voilà, vous les voyez? Là on a les... Ça n'arrive pas à faire. Voilà, on a les petites fenêtres là tout le long. Alors ça c'est normal, ça, si je me fie au plan. C'est correct, sinon c'est... Ouais, c'est un très bon modèle. Très détaillé, avec beaucoup de parties en métal. Et d'ailleurs, c'est l'un des... Alors, si on fait abstraction de cette partie-là, un peu bizarre, c'est l'un des rares vaisseaux de Discovery qui a une soucoupe parfaitement ronde. Voilà. Maintenant, il faut la mettre sur son support. Ça promet, parce que c'est un peu comme le J. Le tapage J, c'est pas facile. Ah, voilà. Voilà, comme sur la photo. Voilà, c'est un... Ah oui, c'est pas... Faut faire attention à ne pas l'enlever. Voilà, c'est un très beau vaisseau. Bientôt, j'aurai une plateforme tournante avec un miroir. Ce sera plus joli comme ça, vous pourrez voir en dessous. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, enfin blablabla. Le problème c'est pour moi, j'ai l'impression de vous répéter puisque je fais les vidéos à la chaîne. Du coup, tout ce que j'ai à vous dire, c'est
prenez soin de vous et salut tout le monde.